Alors voilà, ça fait 24. Bonne guitare posée là. C'est notre deuxième repas. Alors le premier, pour ceux qui connaissent, on a mangé des nachos. Donc en gros, ça consiste à prendre les triangles mexicains, genre les chips, les foutre dans un bol, mettre du gruyère, enfin non, du grimper cheddar. Grimper du fromage qui a un goût de plastique. Et mettre du chili con carne par-dessus, et en fait, on bouffe ça avec les doigts. Et mélanger avec la sauce salsa. Voilà, et mélanger avec de la sauce salsa. Bah, c'est ça, là. Non. Ça, c'est que de la sauce. Ouais, ça, c'est un peu de sauce qui nous fait, nous, à peu près 10 ans. Ou ça va faire 2 jours. Sinon, vous avez le même en format barbecue. Et en format ranch. Alors, et ça, c'est la sauce salade, en fait. Voilà, donc, faut savoir, on vient de finir de traire les chèvres. Et en fait, on mange tous les deux, parce qu'on n'est pas dans la même maison que... Ils nous ont fait à manger. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, ils font tous les micros. Il faut savoir qu'ils n'ont pas utilisé une seule casserole depuis le début. Alors, on mange une saucisse brûlée. Du maïs mélangé à du riz limite à soupe. Bon, le riz, avec le cuisiner. Avec le riz, on peut guérir des plaies aussi, faut savoir. Et des saucisses. Et des saucisses cramées, voilà. Ouais. Mais sinon, voilà. Et on mélange le tout avec un peu de sauce salsa, un peu de barbecue. Ici, le principe, c'est plus on mélange, et meilleur c'est. C'est un peu comme le ciment, en fait. Il faut cimenter tout ça avec toutes ces sauces. On va se taper une constipation demain. Mais demain matin, on va quand même se faire des œufs frais. Donc ça, ouais, demain matin, il y a les œufs frais et du lait frais aussi. Bah, le lait frais, je sais pas, ça, j'ai pas demandé. De toute façon, il y a Wet Meal Pot dans le frigo. Ouais, bon, grâce. Enfin voilà, mais sinon, c'est marrant, on se marre bien. Pas mal. Ça marche? Ah oui, ça marche. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la journée type donc, du Flip Flop Ranch. Voilà, ça c'est Tess. Je crois que vous l'avez vu sur une photo normalement. Le chat qui a toujours l'air étonné là-bas, je sais pas si vous voyez d'ici. C'est Bidi en fait. Il a toujours la tête inclinée parce qu'il s'est fait attaquer par un coyote. Et donc il a eu des dommages cérébraux. Et il a la nuque toute tordue à cause de ça. Et voilà, donc on se lève grosso modo normalement à 7h30, mais plutôt à 8h. Et on commence par nourrir les animaux. Et on a une escorte. Ça c'est Rufus. Rufus. Voilà, et puis ils savent qu'on arrive. Alors du coup, comme je tiens la caméra, je peux pas travailler aujourd'hui. Donc on va filmer. Oh merde, trop dommage. C'est dommage, on va filmer la nuit. Alors c'est, en fait, il y a deux catégories de foin. Il y a le foin pour les chevaux, c'est genre ça. C'est le plus riche, c'est le plus vert, c'est celui qui a le plus de feuilles. Et après, il y a le foin pour le reste des animaux, en gros le foin pourri qu'on donne à tous les autres animaux. Et c'est quasiment la même chose, sauf que normalement, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais il y a un peu plus de paille. Pas du tout, c'est ce que je sais pas te dire, mais on ne voit pas du tout la différence. Il y a un peu plus de paille, il y a un peu plus de jaune. Et pour les chevaux, c'est vraiment tout vert. Donc alors... Donc, un petit compartiment, ça s'appelle une flic. Ouais, flic c'est une botte, je pense. Non, une botte c'est tout entier. Une botte de paille. Voilà, là, parce qu'ils sont malins. Hop. Donc, du coup, voilà, là il y a deux veaux. Salut. Et les deux chèvres qu'on va traire juste après. Alors. Il y a Midnight et Cinnamon. Hop. Hop. On a remarqué une petite chose aussi, à force de côtoyer des animaux, que le plus con c'était pas une dinde. L'expression t'es con comme une dinde, c'est pas vérifié. Le plus con c'est la pintade. Ah ouais, la pintade. On vous montrera ça, et de loin, vraiment de loin. Ensuite, il faut rester ici, je vais chercher. T'as des biquettes? Ah, les veaux sont vraiment magnifiques, par contre, je sais pas si vous voyez bien correctement. Gaël, c'est une race de chèvre spéciale en fait, je crois qu'il vient du nord et qui a pas d'oreille. Voilà, elle a juste deux trous. Allez, hop. Elle, c'est un peu la rebelle. Hein. Oh,
Alors là, on va check la nourriture et les œufs. Donc ça, c'est un grand enclos avec des dindons, des dindes, des poules, des coqs, des canards. Ici, c'est surtout il y a les canards avec les dindes et les poules. Ça, c'est une dinde, c'est ce qu'on mange pour Thanksgiving. Ah, là, tu peux en attraper une pour en montrer. Hein. Elle est grosse quand même. Yann n'est pas un expert en attrapage de dindes. Ah, c'est vrai. Voilà. Alors, il y a un truc marrant à faire, je crois que c'est. Avec ses pattes, là. Dès que tu lui touches le ventre. À chaque fois qu'on l'attrape, on sait pas pourquoi elle fait ce truc stupide. Donc, voilà, c'est une dinde. C'est une texture de peau un peu bizarre. Voilà, mais c'est. Bon, c'est assez stupide aussi. Hein. Ça, c'est con, con. C'est assez stupide, mais allez. C'est sympa. Je préfère ça que la pintade. Je sais pas si vous entendez les dindes, ça fait une espèce de bruit d'alarme de voiture. Comme quoi, c'est con une dinde, hein, parce que là-bas c'est plein, elles vont pas manger. Ouais. Et là on remplit et tout le monde vient manger ce qu'ils ont fait. Voilà, là-dedans il y a des boucs, des moutons. Elle, c'est ma préférée. Là. Enfin, c'est mon préféré. C'est un tout petit bouc. Tiens, les petits boucs. Ah, il y a le camion poubelle en fait. C'est peut-être ma carte bleue? Attends, mais là, il y en a un là-bas. Donc voilà, Yann, il nourrit une petite tribu ici. Là, il y a un gros cochon. Hamlet! Hamlet! Ça, c'est. Je sais pas qui c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Ça va? Elle me prend la tête parce que tous les jours, elle décale sa gamelle un peu plus loin. Ça me rend dingue. Chaque enclos a sa particularité, donc pour les deux qui sont là, il faut bien faire deux tas différents. Parce que vu que c'est deux mâles, sinon ils se battent pour manger. Surtout qu'on a appris qu'il y en a un qui est un peu. Ah, il y en a un qui est un peu sodomite. Un peu homosexuel sur les bords. Il n'a pas compris qu'il était avec un autre mâle dans l'enclos. Ça, c'est le chien de la proprio. Le chien, le. Pff, cheval. Le cheval. C'est Tariq. Ah, merci. Ah, doucement! Ah, faut lui mettre son huile, là, lui. Il y en a plus? Et ses petites pilules bleues, il y en a encore? Ses petites pilules bleues, il y en a encore?
Ça, je sais pas qui c'est non plus. Regarde-toi. Ouais, faut toujours vérifier l'eau aussi. Des fois, il y a des bouffeurs qui ont oublié de vérifier l'eau. Il y a un cochon qui est mort. Ouais, faut bien leur montrer la différence quand même. C'est que à peine on les touche, non, c'est bon. À peine on les touche, voilà, on peut pas les attraper en fait. C'est cool. Ouais. Ah, si on peut, mais. Et dès qu'on met de l'eau dessus, il y a une espèce d'alarme. Voilà. Après, il y a un truc qui s'appelle, avec les cochons, ça s'appelle la nourriture. Et c'est un remède magique. Attends, je vais rentrer dedans. Là, poussez-vous. Par contre, la grosse, elle s'en fout. Voilà. Et là, regardez. C'est magique. Et voilà comment attraper un cochon. Il s'étouffe en cochon. Petit bichou. Il y a un beau pan. Et voilà les pintades, c'est ça là. C'est le truc qui est sur le filet, je sais pas si vous voyez. Bonjour mesdames. Non, non, c'est là. Bonjour. Les gars, j'ai une pintade qui suit. Donc là, après, on va chercher la petite chèvre pour l'emmener à la traite. Voilà, elle, c'est une préférée. Là. Ça s'appelle une chèvre de poche. Ça va. C'est un petit bouc. C'est un petit bouc. Regardez, c'est bien un petit bouc. Oula, pas content. Hein. Oh, le pauvre. Je... Mais... Ah, mais voilà, comme quoi, c'est con une pintade. Ouais, les moutons sont rebelles ici. Ouais, les moutons sont rebelles. Voilà, c'est elle. Allez, on y va. C'est un nouvel animal qu'on peut prendre en laisse. Hein. C'est très tendance dans les villes en Amérique. Très docile. Hein. Toi, tu lui donnes à manger. C'est ça. Et toi, tu la nourris. Ça va, t'aimes pas les oreilles. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est une blague? Descends. Et une petite perruque. Alors là, elle l'a pas fait, mais des fois quand on rentre, on est fait. Petit poussin. Poussin. Là. Là, un petit poussinet. Dis bonjour. Il est moche ce poussin. Ouais. Voilà. Ensuite, c'est l'incubateur. C'est la machine qui remplace le rôle de la poule. Il faut checker l'eau. Ici, l'eau. Ici il y a des œufs. Et après il faut checker si en fait il y a des petits pics sur les œufs et en haut.
et il faut les mettre en bas parce que sinon en fait le poussin sort de l'œuf, il roule, il tombe et il se tue. Donc c'est quand même ballot. Donc on vérifie toujours s'il n'y a pas des petits pics sur les œufs. Donc là, on va refaire. Il y a la poule de la chef qui est en train de hurler là-dedans. Là. Ouais, un peu. Nanu, c'est sa nouvelle copine. Du coup, on va finir. Ouais. Chèvre, va me montrer maintenant. Comment entrer comment entrer les chèvres. Allez. Alors, vous allez voir qu'il connaît très bien sa route. Allez. Non. J'ai oublié ou quoi là. Bon, elle est en forme aujourd'hui. En fait, ce qu'il veut surtout, c'est ça. Ah ouais. Alors, comment faire plaisir avec une chèvre? Alors, avec les femmes, c'est l'argent. Avec une chèvre, on coupera ça. Voilà, c'est juste ça. On peut voir à la vitesse à laquelle elle dégueule les graines. Et là, il y a les deux chefs qu'on peut plus qu'attendre. À midnight. Allez. Mais. Alors, bienvenue sur cette émission, traire ou pas traire. Alors, pour traire les mots de chèvre, vous prenez un peu d'eau avec une liquide vaisselle, vous mettez sur une petite serviette traditionnelle, une serviette de douche, vous prenez la chèvre, vous mettez la tête. Monsieur Jacquet, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous mettez la tête, vous coincez la tête dans les barreaux. Ah, pour quel boy, hein? Vous mettez derrière. Non, enfin, vous mettez un peu d'eau au cerveau là-dessus et vous frottez bien, vous frottez le pli gauche, le pli droite, vous frottez le global. Hein. Voilà, et ensuite vous frottez un petit peu là parce que sinon il est poilé qui s'en va là. Voilà, alors c'est ça pour la deuxième étape. On va extraire le mauvais lait. Le mauvais lait, c'est un peu le truc avant le vrai lait. Il faut casser au percule, comme il dit. C'est comme l'hymen. C'est un petit peu ça. Alors vous prenez le pli gauche, le pli droit, on s'en fout, hein, c'est pas comme Dina, il n'y a pas la chaussure à tenir dans le cas, on sort. Vous prenez le pli gauche, vous le pli bien, tu vois. À pleine main. À pleine main, ça c'est pas le boulet, ça faut pas le. Voilà, il faut savoir que le geste technique c'est comme ça. Voilà, comme ça. Alors ça c'est pour les chats. Tu te prends le vrai saut, hein, sur Linux Model 4. Écoutez les pantounes. Un petit peu la Michael Jackson. Vous avez vu le. Vous prenez le saut. Non. Vous prenez le saut. Elle est capricieuse. Il est un petit peu rebelle. Voilà, vous mettez le saut là. Et vous commencez à. Vous commencez doucement, le pied gauche, le pied droit. En fait, il faut pomper comme ça le lait du haut et le faire descendre vers le bas. Et on enchaîne. Un bon rythme. Voilà. Je me décroise comme ça, comme ceci. Et voilà, maintenant vous savez comment traire une chèvre. C'est compliqué. Alors maintenant, je vais vous montrer le filtrage du lait. Donc c'est simple. Je vous le dira, mais il est en train de faire la vaisselle. Vous mettez un petit chiffon dans cette espèce de truc, on ne sait pas comment ça s'appelle. Avec il y a un petit anneau, une petite bague en acier. Et vous mettez dans le trou. Et en fait ça fait le filtre. Voilà. Vous n'avez plus qu'à faire à renverser le lait. Parce qu'en fait il y a des petits poils et des petites saloperies dedans. Après ça sort, et nickel. Ça nous fait notre lait pour le matin. Enfin, j'essaie d'en boire le moins possible parce que le lait me remonte, tellement il est fort. Ça fait rôter. Ouais, ça fait rôter toute la journée. Ouais, du lait de chèvre, c'est un peu. Ça picote, moi j'aime bien, mais ça picote. Voilà. Thank you.
What exactly are you doing? So, the way I'm going to do it is I'm going to hit the carotid on both sides and then try to miss the trachea. You always try to miss the trachea because then that causes more pain and suffering. Distress. They feel like they're drowning. Exactly. And so you just go like that. Like that. You're supposed to get that always and then they just bleed on out. Okay. Not supposed to get that. Right. But yeah, you're not supposed to hit that. Right. So if you do two cuts and... He's already unconscious. Right. Exactly. Fast. What kind of pressure are you applying? Is it like really... Yeah, really strong, firm pressure. If you want, you can lay the knife on it and just slide straight back. We'll show you. I mean, we're not... How I always tell... Grab the wing. If the wing or tail feather comes out easy, then it's been scalded enough. Yeah. You don't want to be where they come out, all come out super easy. That's too much. Because then you'll have skin coming off when you pluck them. That's not true. This is the other thing we do usually. That's good. Because break it after you go around it. Sure. And that lets you get in. Cut all the rest. Sure. Makes that nice little sound. And go on the back. Right off. Je chie un jour, je chie la nuit. Je chie toujours, je chie toujours. Alex, une vidéo dédicace pour toi. T'aimes ça la merde, hein? Tu fais ça pour ton plaisir, hein? T'aimes ça la merde, allez! Vous savez que ton mec est super! Ramasse-moi cette merde! Ah putain, quel. Allez, Yannis, tu peux le faire! Allez, allez! In her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. Voilà ce qu'on fait depuis deux jours. Creuse une digue sous 28 degrés, comme vous pouvez le voir. Et après, on remplit les trous du champ de citrouille. Raté. Bonjour les copains. Ça va? Ils sont trop sapins, Pierre et Yannou, ça. Venez avec eux. Bisous. Hein.